Non. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Nous arrivons à la fin de cette journée avec la question finalement qui se situe au cœur de cette exposition. D'une certaine manière, la boucle se boucle, parce qu'effectivement, la question clé, c'est la synthèse des arts. Synthèse des arts avec un point d'interrogation. Telle était effectivement aussi la façon dont Charlotte Perriand avait dans son manifeste de l'exposition intitulée Synthèse des arts, qu'elle avait organisée au Japon en présentant des œuvres d'elle-même, de Le Corbusier et aussi de Fernand Léger notamment. Elle avait dans ce manifeste aussi posé la question sur la synthèse des arts. Notamment, et là j'aimerais bien justement citer, commencer cette table ronde avec une citation, c'est « Synthèse des arts, point d'interrogation, ce sont tous ces éléments, architecture, équipement mobilier, objets usuels, tapisserie, sculpture polychrome, toile murale, qui se complétant, devront tendre à l'unité. » C'est justement autour de cette question de la synthèse des arts que nous avons discuté aujourd'hui dans cette table ronde. Et avant de continuer en mettant justement la question de la synthèse des arts dans le travail de Charlotte Perriand dans un contexte plus élargi de la synthèse des arts des avant-gardes,
rapidement, évidemment, juste en esquissant quelques grandes lignes. J'aimerais bien vous présenter justement les participants et les intervenants de cette table ronde. Donc à ma droite, il y a Jacques Barzac, qui est co-commissaire de cette magnifique exposition et qui est le grand spécialiste de l'œuvre de Charlotte Perriand. Il est notamment l'auteur d'une série de 4 ouvrages de référence. Ce sont les catalogues raisonnés sur le travail de Charlotte Perriand. C'est vraiment lecture obligatoire avec énormément de documents. C'est vraiment une richesse énorme. Il est également l'auteur et aussi l'éditeur et commissaire d'expositions d'un grand nombre d'expositions sur différentes facettes du travail de Charlotte Perriand. Auparavant, il a réalisé des documentaires sur l'art et également sur l'histoire. À ma gauche, Germain Viat, qui est conservateur général honoraire et qui incarne particulièrement par sa démarche, notamment par ses différentes fonctions de conservateur et de directeur de musée, un intérêt pour les questions inter- et transdisciplinaires. D'une part, il a créé en 1985 la direction des musées de Marseille, et dans ce cadre, il a aussi vraiment œuvré à la création du musée des arts africains, océaniens et amérindiens de la Vieille Charité. Il a été directeur du musée national d'art moderne. Ensuite, il a joué un rôle clé dans la conception muséographique et la mise en œuvre du programme du musée du Quai Branly. Il a été commissaire de nombreuses expositions légendaires. J'aimerais juste, à titre d'exemple, citer Paris-Paris en 1981, Peinture-Cinéma-Peinture en 89, ou L'Esprit Mangai au Japon en 2008. Ensuite, Romy Golan, qui est tout à fait à ma droite, et qui est professeur d'histoire de l'art du XXe siècle au CUNY, City University of New York Graduate Center. Elle a précédemment enseigné à Vassar College et à Yale University. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages clés, entre autres Modernity and Nostalgia, Art and Politics in France, Between the Wars, ou encore Mural nomade, le paradoxe de l'image murale en Europe, 1927-1937, sur un sujet justement qui servira aussi de point de départ de sa réflexion aujourd'hui. Elle a également écrit de nombreux textes sur Le Corbusier, les contextes des expositions universelles et la dimension théâtrale, l'Italie et la synthèse des arts, l'École de Paris. Donc plein de points de rencontre qui permettent aussi un autre regard sur le travail de Charlotte Perriand. Ensuite, tout à fait à ma gauche, est Paul Ardenne. Paul Ardenne qui est historien de l'art, commissaire d'exposition, écrivain, critique d'art. Bref, Paul Ardenne incarne la synthèse des arts. Et j'aimerais notamment mentionner quelques ouvrages qui, à titre personnel, m'ont aussi beaucoup inspiré. C'est Art, l'âge contemporain de 1997, un art contextuel de 2002 ou encore un art écologique de 2018. Mais il a également écrit sur les architectes, et ça me semble intéressant de mettre en avant parce que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu. Des monographies, entre autres, sur Rudy Ricciotti ou encore Alain Sarfati. Donc, voilà.
pour le petit regard sur justement les différents participants de cette table ronde. Maintenant, à la demande, j'avoue, de Jacques Barzac, il m'avait demandé, avant de sauter dans le vif des interventions, de peut-être mettre en contexte le travail de Charlotte Perriand par rapport aux avant-gardes. Là, j'aimerais peut-être juste rapidement faire une synthèse, finalement, de la manière dont elle travaillait. Parce que ce que vous avez pu voir aussi dans cette exposition à la Fondation Louis Vuitton, c'est que, en fait, tout au long de sa vie, Charlotte Perriand a cherché à dépasser les frontières entre les disciplines, mais aussi les frontières géographiques. Et cette transversalité a affecté sa propre démarche. C'est vrai que peut-être le terme Charlotte Perriand, créatrice ou artiste au sens large, est effectivement le mieux adapté parce qu'on ne peut pas la cantonner dans un seul endroit ou la cloisonner. Parce qu'effectivement, elle a aussi bien travaillé sur l'architecture, le mobilier, les formes utiles, notamment les objets du quotidien, mais également la scénographie, le commissariat d'exposition, voire même la peinture, la tapisserie et le photomontage. Mais c'est notamment à travers sa volonté de rentrer en dialogue respectueux avec d'autres créateurs et aussi avec des artisans et des industriels que Charlotte Perriand se distingue particulièrement. Peut-être c'est cet esprit féminin, c'est peut-être ce qui la différencie principalement de son maître de pensée tout à fait à ses débuts, où elle s'était finalement libérée, Le Corbusier. Parce que tandis que Le Corbusier voyait la synthèse des arts comme une œuvre un peu comme Richard Wagner l'avait conçue, où le créateur conçoit tout de A à Z, Charlotte Perriand cherchait beaucoup plus à rentrer en dialogue et à ce que chaque domaine et chaque discipline soient respectés et œuvrent ensemble dans quel but ? Dans un but de réfléchir sur les enjeux liés à la vie moderne et justement aux grandes transitions, aux grandes révolutions qui affectent la vie de chacun et chacune au début du XXe siècle, le progrès social, l'hygiène et l'homme ou la femme nouveau et nouvelle. Mais notamment, il s'agit de faire des propositions pour améliorer la vie de tous. Et dans cela, dans ses buts, dans ses objectifs, en effet, Charlotte Perriand s'inscrit dans la lignée des grandes avant-gardes au niveau européen. Et notamment, et c'est ça que j'aimerais en particulier mettre l'accent dessus, parce que je travaille en Allemagne, c'est l'impact énorme du Werkbund. Le Werkbund qui a été fondé en 1907 en Munich et qui, justement, au début du XXe siècle, quand le design, qui n'existait pas en tant que terme, mais le design allemand n'était pas du tout reconnu en Europe, au contraire, c'était associé avec la mauvaise qualité et visuellement sans intérêt, le Werkbund s'est mis ensemble, notamment des artistes et des architectes, des créateurs, pour essayer travailler avec des artisans et des industriels de manière respectueuse et fructueuse pour améliorer la qualité du design et de l'architecture en Allemagne et aussi pour le rendre accessible aux masses. Donc finalement, cet objectif-là d'essayer de mettre en lien les artistes au sens large avec les artisans et les industriels, c'est effectivement quelque chose qui a beaucoup nourri
Walter Gropius. Walter Gropius, qui était membre clé du Werkbund, qui a également organisé des expositions sur le Werkbund, et qui est aussi le père fondateur du Bauhaus. Mais n'oublions pas aussi que c'est chez Walter Gropius que sont passés Miss van der Rohe, excusez-moi, parce que je voulais parler de Peter Behrens. Peter Behrens, qui est vraiment un des membres fondateurs du Werkbund, et qui était vraiment ce qu'on peut considérer le premier designer industriel avant l'heure, quelqu'un qui avait vraiment une démarche globale de la synthèse des arts, et où justement Walter Gropius, Miss van der Rohe et Le Corbusier ont débuté. Et donc on comprend effectivement l'impact que l'enseignement et aussi la pratique de Behrens a laissé sur ces trois architectes, mais également le fait que Gropius finalement a ensuite, en tant que membre aussi du Werkbund, créé le Bauhaus. Et le Bauhaus, la première phase à Weimar, avait aussi mis un accent très fort sur la relation entre l'artiste et l'artisan. C'est pour ça aussi que les ateliers avaient été organisés en tandem et qu'il y avait deux ateliers notamment très liés, surtout au début, à des techniques traditionnelles, artisanales. C'était la Weberei et la Töpferei, donc la tapisserie ou le textile et la poterie. Ce travail de tandem, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui intéressait beaucoup Charlotte Perriand et qui certainement, peut-être aussi, l'avait motivée à visiter en 1930 l'exposition autour du Werkbund à Paris et aussi une réception qui était donnée à cette occasion à l'ambassade d'Allemagne à Paris où elle a rencontré Walter Gropius, avec lequel elle a maintenu aussi des contacts tout au long de sa vie. Et Gropius avait même rendu visite à Charlotte Perriand au Japon. Mais évidemment aussi, le pas entre Werkbund Bauhaus et UAM, Union des artistes modernes, est très petit. C'est un tout petit pas. Parce que finalement, quand l'UAM a été fondée en 1929, c'était dans un objectif très proche du Werkbund, celui d'associer finalement les compétences égal à égal entre les artistes et les artisans et l'industrie qui allait prendre un poids de plus en plus important, notamment aussi après la Seconde Guerre mondiale au sein de l'UAM. Donc c'est un petit peu de ces relations-là que je voulais parler et les évoquer. Et peut-être maintenant, pour faire le passage de parole à Jacques Barzac, de peut-être mentionner aussi de style, parce que tu m'as dit que tu voulais aussi, je crois, démarrer ou évoquer justement ce courant. Ce n'était pas vraiment un courant, c'était une revue plutôt hollandaise qui était initiée par des artistes et des architectes, et où notamment, pour juste mentionner un membre clé, Theo van Doesburg, peintre, qui a vraiment travaillé étroitement aussi avec les architectes autour de cette relation couleur-mur qui finalement était aussi exposée en 1923 à la Galerie de l'Effort Moderne à Paris, donc la Galerie de Rosenberg. Une exposition qui était visitée par Le Corbusier, Fernand Léger, je ne sais pas si Charlotte Perriand l'avait aussi vue, mais en tout cas, c'est une exposition qui a énormément marqué aussi Le Corbusier et Léger, et justement sur toute cette relation couleur, mur, polychromie, c'est effectivement aussi une question, je pense, qui sera abordée, une question centrale autour de la synthèse des arts. Donc avec cela, j'aimerais bien passer la parole à Jacques. Merci beaucoup, Katia.
Je vais essayer d'être bref. J'ai pour habitude de faire des gros bouquins et de parler très longtemps. La journée avance et donc il y a encore beaucoup d'intervenants et je voudrais surtout leur laisser avant tout la parole car j'ai la chance formidable à travers mes livres d'exprimer autant que je veux et sur la longueur que je veux. Donc je vais essayer vraiment d'aller très vite et de survoler le début, juste le début de cette histoire de synthèse des arts. Pendant 4 ans, l'exposition qui est présentée ici s'appelait Charlotte Perriand et la synthèse des arts, jusqu'au jour où Jean-Paul Claverie a eu l'idée lumineuse de ce titre. Donc autant dire que dans notre exposition, la question de la synthèse des arts est tout à fait fondamentale. Pour résumer, et pour aller très vite, vraiment pour survoler, il y a 2 types de synthèse des arts. Une synthèse des arts qui est très proche effectivement de Steel, comme tu viens d'en parler, qui a en quelque sorte l'ambition de réaliser une œuvre unique, hein, une œuvre soumise aux mêmes règles de tous les arts. Et puis il y a une autre synthèse des arts, une autre approche, qui est celle de Charlotte Perriand, mais aussi en partie de Le Corbusier, qui est celle de réunir des arts dans une unité d'esprit. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire et comment tout cela a commencé pour Charlotte. L'histoire a commencé en 1928. En 1928, Charlotte vient de faire la conception de sa salle à manger à Saint-Sulpice. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, chaque fois qu'elle réalisait quelque chose, il fallait l'exposer. Et pour l'exposer, elle propose à René Herbst, et voici un petit extrait de son autobiographie, pour donner plus de poids à nos démonstrations individuelles, je proposais à René Herbst de créer une unité de choc au Salon des artistes décorateurs de 1928 et de joindre, pardonnez-moi, j'ai un problème de lunettes, et de faire la demande d'un emplacement groupé. C'est quelque chose de très important, cette histoire d'emplacement groupé. Et effectivement, Charlotte Perriand, René Herbst et Joe Bourgeois réalisent une sorte d'appartement témoin moderne, Charlotte s'assurant la conception de la salle à manger, Herbst du fumoir, et puis le séjour était, pardonnez-moi, je suis très surpris, parce qu'il faudrait que je me tourne, et donc le Joe Bourgeois conçoit le living room. Ce qui est extraordinaire à l'époque, c'est qu'on a l'impression d'avoir une réalisation unique alors que nous avons affaire à 3 créateurs. Et Charlotte Perriand et Joe Bourgeois invitent aussi Jean Fouquet, qui est un très grand créateur de bijoux et un proche de Charlotte Perriand. C'est lui qui lui fait découvrir les œuvres de Le Corbusier. Je joigne également à ce groupe, à cette unité de choc, Gérard Sandoz, qui est aussi un créateur de bijoux, Jean Luce et puis Forca. Et c'est ensemble pour avoir vraiment plus de poids. Car à l'époque, comme vous le voyez là, tous les créateurs étaient présentés séparément. Or, ces jeunes créateurs, pour la plupart, avaient besoin de s'affirmer en tant que modernes. Et donc, voilà qu'ils décide de se grouper. Vous avez ici les 3 réalisations de Charlotte à gauche, sa salle à manger, de René Herbst et de Joe Bourgeois. Incontestablement, il y a une unité d'esprit, il y a une unité de famille. Et c'est la première union, si vous voulez, d'artistes modernes. Dans une autre pièce à côté et sur des présentoirs, vous avez Jean Fouquet, Sandoz et puis Forca, etc. On assiste à la première union. Voici, et vous le connaissez bien sûr ici, la salle à manger de Charlotte Perriand. Vous avez ce premier groupe. Charlotte, dès 1927-1928, se lance dans la question, si vous voulez, de la sélection d'objets utiles. Pourquoi ? Parce que tous les objets, notamment dans l'habitation, les luminaires, la vaisselle, tout cela a été très orné. Or, Charlotte Perriand voulait absolument une unité d'esprit entre son architecture, ou son mobilier, son équipement, et tout ce qui est entouré, tout ce qui est entré dans la maison.
Et là, j'ai pris cet exemple du fameux phare de voiture qu'elle achète pour éclairer sa salle à manger de Saint-Sulpice. Donc, pourquoi le phare de voiture ? Ben, parce que tout simplement, il n'y a aucune intention décorative. À l'époque, et pour ce groupe, la décoration, c'est l'ennemi. Alors, vous avez vu que tous ces créateurs étaient, comment dirais-je, tournés vers le fonctionnalisme. Charlotte, quand elle expose donc sa salle à manger avec René Herbst et Jo Bourgeois, est déjà associée à Le Corbusier. Et elle présente pour la dernière fois ses meubles sous son propre nom. En partir de juin 1928, elle se lance dans la conception du mobilier, des fameux meubles Le Corbusier, Jeanne Répérion, à partir d'un programme élaboré par Le Corbusier. Bernette vous a parlé ce matin de l'importance pour Charlotte du programme. Et effectivement, 6 mois avant l'arrivée de Charlotte Perriand à l'atelier Le Corbusier, ce dernier avait fait un programme sur des manières de s'asseoir. Nous présentons dans l'exposition ces croquis de Le Corbusier. En tout cas, il voulait toute une série de meubles, mais il n'avait pas fondamentalement d'idée précise de ces formes. Et c'est ce que Charlotte prend en charge. Et elle le fait dans une unité d'esprit avec l'architecture. Et ces meubles sont conçus pour la Villa Church en 1928. Voilà une des 3 ou 4 rares photos de la Villa Church que nous avons. Et vous voyez qu'effectivement, tout le travail de Charlotte Perriand, c'est cette question d'unité et de dialogue entre l'architecture de Le Corbusier et Pierre Gindret et les meubles en question. Et je trouve que cette photo est très, très emblématique parce qu'on voit parfaitement comment on est dans le cadre de la résonance, on est dans l'unité d'esprit. Autre élément aussi qui n'est pas inintéressant dans cette espèce de dialogue peinture-objet, c'est celui, effectivement, de la tentative de Charlotte Perriand d'utiliser finalement la polychromie d'un tableau de Le Corbusier pour appliquer cette polychromie justement au fauteuil grand confort qui était destiné à la Villa Church. Vous voyez là aussi cette sorte de tentative comme ça de dialogue entre peinture et mobilier. Ceci, c'est la galerie de peinture de la Villa La Roche, dont Le Corbusier et Pierre Gindret sont les architectes, et conçue en 1922 pour abriter la collection de tableaux du banquier La Roche, un très très proche de Le Corbusier. Il se trouve que Le Corbusier et Gindret n'avaient absolument pas eu le temps ou l'occasion d'équiper cette villa, et en tout cas cette galerie. Et ils font photographier les meubles pour la première fois dans cette galerie, et vous allez la voir remplie de tableaux. Charlotte dessine cette table. Alors cette table est étonnante parce que là aussi, c'est une unité entre le mobilier et l'architecture, une unité d'esprit, à tel point que la table en question, elle est complètement liée à l'architecture. Elle est indéplaçable, évidemment. Et vous voyez qu'elle est posée sur un carrelage noir qui est en fait comme l'ombre portée du tableau, mais elle est liée intimement à l'architecture. Et d'autre part, c'est une table manifeste qui est intéressante à plein de points de vue. Vous avez un V, le plateau est très très lourd. J'ai aucune idée du poids, mais il est en marbre noir. Il doit peser à peu près, je sais pas, 300-400 kilos. Et à une extrémité, elle place ces tubes en V. L'autre extrémité, c'est un parallélépipède en béton. Et cette table veut dire, un, l'unité et d'esprit et physique entre architecture et mobilier, mais surtout, elle veut dire aussi que si vous utilisez le métal, 2 petits tubes suffisent. Si vous utilisez le béton, il faut à ce moment-là un volume totalement différent. Et je dois dire que cette... Elle est toujours, bien évidemment, à la Fondation Le Corbusier dans la Villa La Roche. Et cette tentative de fusion entre le mobilier et l'architecture est très émouvante.
Voici donc cette table sur une photo noir et blanc, cette fois d'époque. Il y a une sculpture qui est posée dessus. Et tout au fond, vous avez La Roche dans un fauteuil dessiné par Le Corbusier autour de 1924-25, qui est encore de l'ancienne facture. Et vous avez un fauteuil grand confort devant. En fait, quand on regarde les deux modèles, c'est-à-dire celui dessiné par Le Corbusier vers 1924-25, et quand on voit celui, la version de 1928 dessinée par Charlotte, on comprend qu'on est en plein dans la modernité et dans ce lien qu'il y a entre l'architecture et les chefs-d'œuvre cubistes de Picasso, de Braque, de Léger, etc., et effectivement le mobilier. Et à l'époque, dans cette galerie La Roche, on avait véritablement, pour ce qui est pour moi, et probablement pour Charlotte, justement le début de cette synthèse des arts. Vient ensuite la conception de ce que vous connaissez très bien maintenant, c'est ce projet du Salon d'automne 1929. Il est à l'origine en fait de la création de l'UEM, car Charlotte Perriand, après le succès de l'unité de choc en 1928 au Salon des artistes décorateurs, va voir les organisateurs et leur dit « Écoutez, voilà, l'année prochaine, on a un grand projet avec Le Corbusier, Pierre Gendret et moi, qui est celui-ci, et on veut absolument occuper avec René Herbst, avec Sionneau, avec Joe Bourgeois et tous les autres modernes, on veut occuper un ensemble cohérent. Mais on a d'un côté les modernes, dans cet espace du Salon des artistes décorateurs, et de l'autre, on a les classiques et tous les autres. Il se trouve que l'organisation du Salon des artistes décorateurs refuse. Il refuse, et la conséquence, c'est que Charlotte Perriand et René Herbst entraînent la démission de tous les créateurs modernes, et démissionnant, ils vont créer, ils se retrouvent dans un bistrot, à côté du musée des arts décoratifs, et c'est là où ils vont décider de créer de l'Union des artistes modernes. Et l'Union des artistes modernes part de là, du refus du Salon des artistes décorateurs de considérer que la modernité est un vrai mouvement cohérent. Donc, vous connaissez parfaitement toute cette réalisation, puisque nous sommes donné la peine de la reconstituer, bien évidemment, et vous voyez comment, effectivement, tous ces objets sont en osmose avec l'architecture. Et il y a une cohérence, il y a une vraie unité d'esprit. Là aussi, Charlotte participe à la sélection d'objets. Et je vous dis, j'insiste là-dessus, c'est une démarche qu'elle aura jusqu'aux arts, qui est très importante dans sa création. Elle a un besoin, si elle a un budget, elle crée un objet pour répondre à ce besoin. Si elle n'a pas de budget, elle le sélectionne. Et par exemple, là, elle n'avait pas de budget et surtout pas d'appareil d'éclairage qui la satisfasse. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sélectionne un projecteur de Kodak. Elle va chez Desrolle pour sélectionner des vases, en fait, qui servent dans les tests de chimie et compagnie pour faire des expériences de chimie. Alors, voici donc la conséquence du rejet par le Salon des artistes décorateurs de ce groupement, n'est-ce pas, des modernes en France. Et l'année suivante, en 1930, que fait le Salon des artistes décorateurs? Eh bien, il invite le Bauhaus. Et vous avez en 1930, voici les deux images, à gauche le Salon d'automne 1929, à droite deux photos du Bauhaus avec des créations de Marcel Breuer et en dessous de Walter Gropius. Vous voyez à la fois l'unité d'esprit et les très légères différences qu'il y a entre eux. Mais il est évident que c'est une conséquence quand même inouïe de voir que le rejet des modernes français implique l'invitation du Bauhaus et qui fait une démonstration formidable. Je passe maintenant très très vite, parce que je crois que Pernod me fait signe que je parle beaucoup, tout de même me semble important quand même de souligner cette chose formidable. C'est que en 1933, Charlotte Perriand à Athènes est reçue en quelque sorte comme membre des congrès internationaux d'architecture moderne. Et bien sûr, elle est là avec Le Corbusier, Pierre Gendret et Fernand Léger.
Léger fait une grande conférence à Athènes sur la question justement de l'architecture moderne, mais aussi de l'art plastique dans l'architecture moderne. Léger, en 1935, dans une conférence dont nous avons, non pas le tapuscrit, cher Jean-Louis, mais comment proposais-tu le... Voilà, exactement, merci beaucoup. Dans lequel Fernand Léger écrit « La collaboration des quatre arts, peinture, sculpture, architecture, ameublement, est à réaliser dans notre époque. Elle est difficile à cause de l'individualisme actuel. On doit y arriver. » Et c'est ce que Charlotte va faire en 1935 à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles. Et Charlotte réunit des membres de l'UAM, car la question de la synthèse des arts est très partagée les membres de l'UAM. Et vous voyez une chose, un petit détail, mais qui a son importance, c'est que vous avez des membres de l'UAM, mais vous avez aussi les membres des SIAM. Et Charlotte est à la fois membre de l'Union des artistes modernes, mais aussi membre des congrès internationaux d'architecture moderne. Louis Sognaud n'est qu'UAM et Le Corbusier est des deux. Quant à le Fernand Léger, c'est pareil. Donc, il s'agit là de l'union et de la collaboration des quatre arts, à savoir l'architecture, le mobilier, la peinture et la sculpture. La sculpture, Charlotte Perriand apporte une position assez particulière, à savoir qu'elle considère que la sculpture aussi, ce sont des objets qu'on peut trouver dans la nature. Et là, vous avez sur ce mur de collection, comme elle l'appelait, que nous avons reconstitué ici, un symbole dans lequel elle indique que la peinture et l'objet trouvé dans la nature ont finalement peuvent dialoguer. Et que quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez aucun moyen, etc., vous pouvez aussi être collectionneur. Collectionneur, notamment en cherchant des objets dans la nature. Et c'est ce qu'elle fait. Et à la même époque, Lipschitz est furieux à propos justement de ces pierres, de ces objets qu'on trouve dans la nature, et il considère que c'est une véritable concurrence des sculpteurs. Nous avons une pierre que nous exposons dans la Galerie 2 Sublime, que Charlotte trouve en 1935 dans la forêt de Fontainebleau. Et donc il y a ça sur cette cohabitation, plus un petit tampon encreur qu'elle trouve, qui est en bas du tableau, qui dit « la guerre est possible ». On est en 1935. Et dans ce mur de collection, vous avez cette petite pierre minuscule dont elle va tirer une photo. Vous avez aussi cette autre pierre, elle en tire une photo. Et vous avez aussi le dialogue entre la photo, le dessin et l'objet trouvé que vous pouvez avoir dans vos étagères. Donc il s'agit d'une forme ou de synthèse des arts, ou en tout cas une unité d'esprit et un dialogue des arts. Ici, avec ce fameux Bahut Manifeste, vous avez plusieurs éléments de dialogue. Vous avez la peinture qui est au fond de Léger, mais surtout, vous avez Le Corbusier qui s'empare de ce fameux Bahut Manifeste dans lequel il aborde la question de l'urbanisme. Le dessin que vous avez sur la porte centrale, c'est un dessin qui est extrait de La Ville radieuse. Et sur le côté, vous avez l'autre dessin de son plan de Paris 37. Mais vous avez aussi la musique qui est présente dans la musique et la radio. Donc, en fait, dans cette réalisation et dans cette maison du jeune homme de 1935, vous avez tous les arts, jusqu'à la musique et la radio, qui sont présents. Plus, bien sûr, la culture du sport et du corps. Vous avez aussi la politique à travers ce photomontage et également la science qui est disposée sur ce tourniquet. Voilà donc, je m'arrêterai là, j'ai bien d'autres choses à dire, mais je crois que j'ai aussi, une fois de plus, été trop long, me dit Pernette. Je vous remercie. Ben merci beaucoup, Jacques. C'était vraiment extrêmement stimulant.
Si je peux éventuellement juste poser une question, parce qu'il y a un type de fil conducteur aussi dans des exemples que tu as trouvé, qui est une dimension qu'on a peut-être de manière générale moins abordée de façon explicite, c'est celle du ready-made, finalement. Très important. Et en ce sens, il ne faut pas oublier, c'est que Marcel Duchamp était un proche dans l'école de Puteau de Léger, et qu'en 1949, Charlotte met la fameuse hélice d'avion à côté du calder qu'elle présente du Léger, etc. Et c'est cette fameuse réflexion de Duchamp à Brancusi, « Peux-tu faire mieux que ça ? L'art est mort. » Et Charlotte montre en 1949, et Léger, que l'art n'est pas mort du tout. Alors après, il y a plein de... On pourrait continuer très longtemps sur ce thème-là, mais une chose que j'aime beaucoup, c'est de voir comment il y a l'hybridation des arts. Comment, effectivement, sur les plateaux de table, elle va mettre des photos, comment elle va mettre des dessins aussi de Picasso, de tout ça. Et sa vision de la synthèse des arts, on pourrait aller même jusqu'aux arts. Il ne s'agit plus d'art au sens plastique, mais de musique. C'est toute sa vie que ce dialogue des arts, elle l'a entretenu. Très bien, merci beaucoup. Ben maintenant, j'aimerais bien passer la parole à Germain Viat. Là, on va traverser le Pacifique, on va aller très très loin au Japon. C'est pas très facile de faire suite à toutes ces interventions. J'ai l'impression que le petit texte que j'ai préparé, c'est un peu comme le scénario d'une bande dessinée, avec une personne qu'on a finalement suivie dans sa continuité extraordinaire, mais en même temps se heurte à des réalités qui sont tout à fait extérieures aux problèmes que l'on a. J'hésite à redire qui est Charlotte Perriand. Pernette cite ce mot de sa mère à une étudiante l'année même de sa mort, en 1999. « J'ai toujours cultivé le bonheur, c'est comme cela que je m'en suis sorti. » Quelle était donc sa recette ? Un tempérament dynamique, généreux, réactif et inventif, une capacité rare d'analyse associée à celle d'entraîner quand le projet se présente. Un goût instinctif pour les formes naturelles, pour des matériaux inattendus, la fantaisie des pures couleurs de l'enfance et enfin le contact constant avec la nature. Cette générosité de corps et d'âme, elle aime la révéler dans ses combats de tous les jours. C'est une femme d'expérience et de décision, elle a 37 ans. Tout s'effondre en cette extrême fin des années 30. La menace fasciste l'emporte, il y a le choc irrépressible de l'avancée diplomatique nazie, neutralisant dans le cadre du pacte anti-Comintern du côté du Japon dès le 25 novembre 1936, puis l'Italie 1937, la Hongrie et l'Espagne franquiste 1939, la Finlande et le Danemark 1941. Le récit que Charlotte livre de ses années dans une vie de création est impressionnant. Elle participe très activement à la lutte antifasciste comme à la liesse populaire. Elle lie amitié avec Georges Monet, ministre de l'Agriculture, dont elle décore le bureau par un photomontage dont on a parlé ce matin sur les travaux des champs. Cette technique de propagande d'origine russe et allemande est très répandue à l'échelle monumentale dans les pavillons de l'exposition internationale de 1937, et notamment dans le pavillon japonais de son ami et compagnon de l'atelier de Le Corbusier, Junzo Sakakura. Ce qui distingue Charlotte, c'est d'avoir dénoncé la grande misère de Paris à l'exposition des arts ménagers, plutôt que de flatter, comme ailleurs, le sentiment national ou régional. Très liée avec Josep Lluís Sert, architecte du pavillon de l'Espagne républicaine, elle vit en direct et au plus brûlant l'ambiance de l'exposition internationale auprès de Picasso, de Miro et de Léger. Chez Georges Monet, ministre de l'Agriculture en 1937, c'était parfois la fête,
Elle se souvient d'un dîner avec Georges Huysmans, ministre des Beaux-Arts, et Georges-Henri Rivière, qui achève le musée de l'Homme et va bientôt créer son musée d'art populaire, et qui, en attendant, à l'exposition internationale, présente le musée du terroir de Romney et la maison rurale en France. En fin de soirée, alors que GHR, Rivière, se met au piano, Charlotte entonne des chansons à boire savoyardes. Le pacte germano-soviétique est signé le 23 août 1939. Charlotte rompt avec le Parti communiste. Au Japon, la chute du cabinet pro-allemand Hiramuna permet une brève embellie de neutralité antifasciste et libérale. En France, le 3 septembre 1939, c'est la guerre. Que devra-t-elle faire quand, après la drôle de guerre, au moins 8 millions de Français et Belges participent à l'exode de mai-juin 1940? C'est pas son truc. Charlotte reçoit une invitation datée du 8 février 1940, envoyée par Junzo Sakakura. Désirons vous inviter comme conseillère dessinatrice, art décoratif, auprès du ministère du Commerce, salaire 100 000 francs par an, plus honoraire et frais de voyage. L'invitation officielle a été transmise par l'ambassade du Japon à Paris. Consulté, Georges Monet est favorable, arguant de la supposée neutralité du Japon. Mais le 13 juin, l'Empire du Japon décide de bloquer les concessions britanniques et françaises en Chine, ce qu'elle apprendra d'ailleurs sur le bateau. Pour l'ami Fernand Léger, il fallait se saisir de cette occasion. Elle ne se reproduira plus, dit-il. Elle n'est pas inconnue au Japon. La revue Design, ayant consacré en 1930 à Tokyo plusieurs pages à son œuvre. Mais ce qui charmera le plus Charlotte, c'est le long 8,30 m et très amusant phylactère calligraphié et illustré par Shiko Munakata, un premier contact avec l'équipe de Yanagi Soetsu et du Mingekan, qui donne un tour amical à l'invitation. Elle le montrera à Picasso. A-t-elle rencontré André Leroy-Gourand, qui revint de sa mission au Japon en fin de mois février 1939, rapportant 660 objets traditionnels, et qui, le 17 juillet 1939, fit une conférence radiophonique, Georges-Henri Rivière avait organisé cela depuis plusieurs années déjà, sur les paysans japonais, puis en présenta les résultats le 15 janvier 1940 à l'Institut français d'anthropologie. On est sur un autre versant que celui qu'on a abordé aujourd'hui, mais qui comptera probablement pour elle. Il avait rencontré Yanagi Soetsu à Tokyo et à Kyoto le potier Kawai Kanjiro et beaucoup travaillé sur la culture japonaise populaire et sur l'architecture vernaculaire. Mais, écrit-il le 2 septembre 1938 à Jean Buot, son correspondant du musée Guimet, il n'y a rien, mais rien à rien à espérer de ces gens d'ici. D'un côté, les universitaires qui vous regardent en ennemi, de l'autre, la police. J'en suis à ma 3e arrestation et à mon 120e interrogatoire. L'ambiance est mise. Découragement provisoire de Leroy-Gourand peut-être, mais qui laissera des traces. Il est surprenant que Rivière ne lui ait pas parlé de Leroy-Gourand. Sans doute était-il lui-même débordé dans la situation française. Le conseil donné par GHR de créer un musée au Japon et de ramener des objets pour le musée de l'Homme révèle une totale ignorance de sa part sur la situation. Georges Monet s'oppose aux accords de Munich, mais le 10 juillet 1940, il s'abstient sur les pleins pouvoirs donnés au maréchal Pétain plutôt que de voter contre, une position prudente qui lui sera reprochée par le PS en 1945. Le 14 juin, Charlotte est sur le pont du Hakusan Maru, en partance à Marseille. Elle écrit « L'Espagnol mourait, l'Abyssin mourait, la Pologne mourait. Évidemment, ce n'était pas nous, chacun son tour.
Ce long voyage est égayé, heureusement, par la présence d'un ethnologue japonais, Narimitsu Matsutaira, qui ramène de France un magnifique coq gaulois, et je crois qu'il y avait encore de la voltaille autour. Ils garderont contact, Matsutaira lui faisant découvrir, avant son départ pour l'Indochine, les fêtes traditionnelles d'Anamatsuri. Vous savez, les Matsuri, ce sont les grandes fêtes populaires au Japon. Surprise qui montre bien la chaleur de l'accueil, à l'escale de Shanghai, Kunio Maekawa, qui avait été comme Sakakura membre de l'équipe de Le Corbusier au 35 rue de Sèvres, vient l'encourager à poursuivre. Sakakura lui-même l'accueillera à Kobe. Charlotte sera accompagnée par une interprète, Madame Mikami, mais son milieu de travail va être presque exclusivement masculin. Festif, parfois, des photos très charmantes, où tout le monde rigole, mais où elle est la seule femme, mais aussi très bureaucratique. Une conseillère allemande, Madame Till Prill-Schürmann, l'avait précédée en septembre 1939, mais elle ne resta que peu de mois, donnant quelques conférences. Charlotte Perriand parviendra, grâce à son interprète et au jeune Yanagi Sori, le fils de Yanagi Soetsu, à équilibrer dans un long périple la découverte au plus haut niveau du Japon traditionnel et artisanal, notamment avec la villa impériale Katsura à Kyoto et à Machiko avec le poti Amada, membre du groupe Mingei. Elle reviendra ensuite pour examiner les productions de la section de l'Institut des recherches pour l'art industriel, le Kogai Shidosho, fondé en 1928. Ces dates sont intéressantes parce que finalement, tout cela se passe dans une dizaine d'années. Il s'agissait principalement, pour les Japonais, de développer des articles d'exportation, imiter des productions allemandes et autrichiennes, un état d'esprit officiel qui ne peut lui convenir. La chaise, objet symbolique de l'occidentalisation au pays des tatamis, a été étudié par Anne Gosso, soulignant le rôle de Kurata Shikatada, et du groupe de Keiji Kobo, influencé notamment par la modernologie de Konwajiro. Konwajiro, personnalité très très intéressante. Mais on ne peut pas en dire plus. Cette évolution radicale s'était concrétisée dès l'avenue en 1933 de Bruno Taut au Japon, suite à l'initiative de l'architecte Isaburo Ueno, qui avait fait ses études au Werkbund de Weimar. Là aussi, on voit les liens intercontinentaux qui se mettent en place. Intronisé le 25 décembre 1926, le nouvel empereur Hirohito avait défini l'orientation suivante. La simplicité au lieu de l'ostentation, l'originalité au lieu de l'imitation aveugle, le progrès dans cette période d'évolution, l'harmonie nationale dans les dessins et dans l'action. Dès son arrivée, Charlotte Perriand avait rencontré Yanagi Soetsu, créateur du Mingekan et père de Sori, qui voulait devenir designer. Le Mingekan était donc d'abord une association de personnes s'intéressant à la culture populaire, tout à fait en dehors de l'esprit du thé, de tout ce qui entourait la création un peu mythique de l'empereur. C'est maintenant un bâtiment, un musée, donc Rivière pouvait ravaler ses illusions, pardon de le dire comme ça. Père de Sori, Yanagi Sori, qui voulait devenir designer. Elle pouvait ainsi mesurer, et dans les tensions familiales, la difficulté de conjuguer la protection du patrimoine artisanal et la production d'objets correspondant aux évolutions industrielles modernes. Elle croyait à une synthèse possible, depuis toujours, on l'a vu,
entre les apports de l'art de l'époque moderne et les œuvres les plus pures du passé. Ça, on l'a moins vu, mais au Japon, c'est incontournable. Et plutôt que de théoriser, car elle sait qu'elle a peu de temps, elle préconise, pour le prouver, la réalisation d'une exposition intitulée « Contribution à l'équipement intérieur de l'habitation, Japon 2601 », ça c'est l'origine même de l'Empire japonais, « Sélection, tradition, création ». Dans un espace des magasins Takashimaya, dominé par la reproduction de la composition aux deux perroquets de Fernand Léger. Diable. de Fernand Léger, 1935-1939, donc on est dans l'art contemporain. Hein, on n'est pas, c'est pas du ramassage d'œuvres anciennes. Vont cohabiter naturellement des objets artisanaux choisis en collaboration avec le Mingetkan, des références photographiques à l'art moderne, à l'art brut, l'art brut étant un terme postérieur, mais disons à l'objet brut, ou même à celui des enfants, ce qui est rare et constituera plus tard l'une des singularités du groupe Gutai. Elle y joindra des photographies de formes étranges de la nature, confronté avec des objets manufacturés de sa création qui utilisent des matériaux naturels, bois, tissage de fibres, bambou, etc. Vous connaissez ça par cœur. La chaise longue pliante adaptée au tatami, très important, et celle basculante en bambou, exactement aussi adaptée au tatami, résument cette fusion conceptuelle. L'étude des formes doit revenir sur un plan humain. Charlotte Perriand découvre en quelques mois la diversité et l'unité profonde du Japon traditionnel, mais elle sait que, je cite, « le Japon s'est érigé en peuple conquérant, il va infailliblement transformer sa vie ». Les pages de ses carnets de voyage réunissent ses notes sur les matériaux, les détails de fabrication traditionnelle, ce qu'elle imagine pour son exposition synthétique. Dans ses conférences presque quotidiennes, elle préconise l'analyse de l'usage, la simplicité, l'unité conceptuelle, sélectionnée, inventée. Pour son exposition, ses croquis innombrables, les commandes spécifiques qu'elle fait à des artisans spécialisés révèlent son propre goût. Il n'y a pas de formule. La création découle des matériaux et de leur mise en œuvre qui conditionnent des formes nouvelles et préservent l'attrait de leur beauté dans le temps et dans l'espace. Jacques Barsac, qui a édité admirablement avec Pernet l'œuvre de Charlotte Perriand et sa relation avec le Japon, conclut « Après 6 mois de travail acharné, malgré des moyens limités, elle esquisse une synthèse des arts, belle idée de collaboration, peinture, sculpture, architecture, équipement mobilier, se soumettent mutuellement à une règle d'ensemble. » L'exposition est vivement soutenue par Soetsu Yanagi. Admirée et critiquée, on s'y attendait. Elle déçoit les magasins Takashimaya qui espéraient un succès économique. Il faut bien l'admettre, son recours à l'artisanat, plus qu'à l'industrie, ne répond ni à l'économie de guerre, ni au désir de doper l'industrie. Présentant des produits et des matériaux inattendus, l'exposition est le manifeste d'un style de vie. Jacques Barsac souligne les signes épars qui la jalonnent et qui sont autant de critiques des ambitions de ce pays totalitaire. Sa critique frontale, dans une vitrine de l'exposition, de l'enseignement pratiqué par les professeurs et des objets qu'ils réalisent pour séduire la clientèle occidentale, sera maintenue malgré la frilosité des pouvoirs économiques, politiques et culturels en place. Junzo Sakakura reste totalement solidaire, co-signant le catalogue. Il sera néanmoins écarté du jury de sélection de l'exposition annuelle des artisans à Tokyo. Charlotte Perriand fut sans doute la première à réunir toutes ses composantes dans un pays étranger, avec ses propres productions,
dans une exposition qui se veut ambassadrice de la modernité française. Et à cet aspect-là, il faut bien le souligner. Elle trouvera sa pleine résonance sous la même enseigne, dans un pays à reconstruire, chez Takashi Maya, en 1955, en tirant profit des expériences internationales des formes utiles et de la Triennale de Milan. Pour de nombreuses raisons, ce seront auparavant deux années de préparation très difficiles, sauvées par la collaboration constante de Junso Sakakura. La partie n'est pas gagnée, mais elle reste un pari fort, inoubliable, où les influences réciproques sont encore vivaces. Dans l'exposition « L'esprit Minghe au Japon » en 2008, nous avions demandé à Liu Fan, Issey Miyake et Jasper Morrison d'en porter témoignage. Ben merci beaucoup, Germain Viat. Effectivement, peut-être juste une petite question pour rebondir sur votre intervention, parce qu'effectivement, on voit une certaine coupure, disons, avec Charlotte Perriand et les enjeux de la création à la fin des années 20. Hein, quand on voit, par exemple, la fameuse chaise longue qui est un éloge à la modernité et à l'industrie et à tout cela. Et puis finalement, quand elle passe au Japon et elle refait la chaise longue dans des techniques traditionnelles, le bois avec les artisans de là-bas. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est ailleurs. Elle est ailleurs dans le temps, elle est ailleurs dans l'espace, avec une culture tout à fait différente. Et heureusement, il y a Maekawa et Sakakura qui sont là, et Matsuma Hida aussi. Donc il y a un petit groupe de Japonais qui la soutiennent. Mais ce petit groupe, il a été instrumentalisé pendant 15-20 ans dans une vision de l'occidentalisation. Donc on a quelque chose de très différent, et ce qui est magnifique, et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas penser à son tempérament, à sa personnalité, c'est que elle fait pas comme le roi Gouran, qui laboure, ramasse, prend des notes, etc., mais finalement sans aucun résultat créatif. Elle fait son travail et elle prend connaissance de la chose exact à faire dans son matériau, avec son artisan particulier. Et puis, elle suit son chemin. Mais au lieu de ramener des objets comme le roi Gouran, elle ramène une sélection de photos extraordinaire où il y a dans les archives. Le roi Gouran le fait aussi. Lui aussi. Ça serait intéressant de comparer. La comparaison est formidable. Il y a 8 volumes de photos imprimées au Japon, absolument. Des photos de Gouran. Mais enfin, absolument. Oui, très bien. Donc, nous allons continuer maintenant avec Romy Golan. Donc, je vais vous passer la parole. Non, ça y est, j'ai survenu en arrière, c'est fait. Jacques s'occupe de tout. Alors, merci, Sébastien, Bernette et Jacques. Ah oui, c'est l'autre, ok. T'es noir sur noir. Merci. Voilà, bon. Alors, oui, je crois que les papiers se complètent, et c'est bien, parce que surtout que, oui, on n'avait aucune idée de ce que faisait... C'est une collaboration, pas tout le monde sait ce que fait l'autre. Table ronde... Table ronde qui s'avère une synthétique. Bon, alors, comme pour démentir la distinction faite par Louis Chéronet, déçu par la contribution française à la Triennale de Milan de 1933, entre, je cite, les Italiens comme étant de vrais architectes décorateurs, alors que nous, en France, nous ne possédons que des décorateurs architectes, Perriand utilisa le photomural pendant les années, fin des années 50, début des années 60, comme un élément architectural tout autant que comme élément décoratif.
Dans l'une de ces inversions des signes qui font le succès de l'image murale dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, après avoir été embrigadée par tous les régimes politiques, mais surtout par les régimes totalitaires pendant les années 30, l'image de grande dimension se voit attribuer, à la fin de la Reconstruction, les fonctions d'un nouvel utopisme. Sur une planète en voie de mondialisation, l'agence de voyage, espace commercial d'un type nouveau, tenant lieu aussi d'ambassades ou de vitrines diplomatiques, va se révéler un lieu propice à la synthèse des arts. Et aussi un lieu d'un côté dépolitisé et pourtant aussi géopolitique, les deux. En 1957, Air France entreprend de moderniser et rénover ses agences et d'en concevoir de nouvelles dans le monde entier. Dans un secteur où la concurrence fait rage entre les compagnies aériennes nationales, Air France peut alors s'enorgueillir de posséder le plus long réseau du monde. Ça, c'est son slogan. Toujours situé sur des axes très empruntés et dans les quartiers les plus chics, sur Bond Street à Londres, à Paris tout près de l'Opéra, rue Scribe et dans Ginza à Tokyo ou à Copacabana à Rio. Et les réalisations de Perrien pour Air France, et il est vrai aussi que son mari dirige Air France. Et ça, c'était important, oui, c'est dans ce cas-là, ça lui a donné vraiment une possibilité de faire toutes ses agences à travers le monde. Les réalisations de Perrien pourront être vues par des milliers de passants derrière les immenses devantures vitrées, donc des agences. Au mobilier, et je ne parlerai pas du mobilier, s'ajoutaient presque toujours un ou deux murs rétro-éclairés, principalement sous la forme de très grands tirages photos en noir et blanc. Beaucoup de ces photographies représentaient des vues panoramiques de destinations touristiques sur le territoire national, c'est assez logique. Ainsi, les jardins à la française de Vaux-le-Vicomte ou la saisissante prise de vue de la formation rocheuse du Mont-Saint-Michel, ici à Londres, à la French Railway House, donc le, je sais pas, SNCF, la représentation, j'imagine, de SNCF à Londres, et sur Piccadilly, et une route de campagne, par exemple, bordée de peupliers, à Tokyo, les escaliers de l'abbaye de Cîteaux sous l'objectif du grand photographe d'architecture, surtout de Corbu, Lucien Hervé, à l'agence Air France à Osaka, ou encore une vue de l'île Saint-Louis, ou une autre là, c'est dans ce cas-là, oui, c'est le centre de Paris, avec les méandres de la Seine peints en bleu à l'agence Air France, donc à Copacabana. Bien en évidence, et encore une, ici, ça c'est peut-être le plus spectaculaire, la plus grande de ces photographies, bien en évidence sur le mur au fond des bureaux d'Air France à Londres, Perrien avait juxtaposé un quadrillage rectiligne de l'une de ses bibliothèques casiers, c'est son meuble signature, n'est-ce pas, à une image monumentale d'une déesse khmer prisonnière des racines d'un banyan. Alors il y a les deux, elle combine les deux, et évidemment on voit que ça se passe par espace interposé. Parce qu'il recouvrait le mur en totalité, ou presque, ces grands tirages devenaient des éléments architecturaux à part entière. D'une façon qui n'appartenait qu'à elle, Perrien s'en est servi pour, comme elle disait, repousser les murs, les ouvrir sur l'extérieur. Lorsqu'ils étaient installés près de grandes baies vitrées, des agences, des agrandissements photographiques créaient un rapport singulier entre l'intérieur et l'extérieur, l'ici et l'ailleurs, d'une manière toujours différente. Tout se passait comme si le mur photographique constituait en lui-même une nouvelle baie vitrée donnant sur un panorama. Et on peut imaginer ici les deux, la nuit, les deux architectures là, de Piccadilly et de Vaux-le-Vicomte se superposant comme ça sur la vitre. Donc, une façon de concevoir l'architecture par d'autres moyens. Au moment où le musée d'art moderne de New York, en ce moment, de là où je viens, vient de décompartimentaliser ses collections, et pour la première fois donc de faire quelque chose d'intermédial, parce que même s'il était soi-disant basé sur le Bauhaus, en fait, tout était très séparé au MoMA jusqu'à maintenant, et aussi donc plus de femmes, d'artistes de couleur, etc., mais très important donc donc de décompartimentaliser les médiums. Un autre exemple d'architecture par d'autres moyens, celui du Bauhaus. Chaque fois que nous considérons l'architecture au Bauhaus, nous devons seulement regarder au-delà de la discipline pour découvrir que les idées architecturales ont été produites à travers des médiums dans des expériences matérielles, avec du papier, de la photographie et surtout du tissage.
Nous trouvons l'utilisation architecturale du textile. Alors voilà, oui, ça c'est cette fameuse photographe des femmes qui étaient quand même poussées vers la, vous savez, le département, on a beau dire, mais enfin le Bauhaus, les femmes faisaient surtout de la photo, qui n'existait pas comme département, jusque beaucoup plus tard, et le tissage. Nous trouvons l'utilisation architecturale du textile chez Otti Berger, élève du Bauhaus. En 1928, dans l'auditorium, on a entendu parler de cette école fédérale de la Confédération syndicale allemande à Bernau, près de Berlin. En 28, un espace qui vient d'être restauré, apparemment à l'exception des revêtements muraux qu'elle a conçus. Tout sauf ça, pour envelopper la pièce d'un éclat argenté. Et là, on devons imaginer, par cette photo, qui n'est pas une photo particulièrement envoûtante, cet espace, quand même, autour, où tout est recouvert, et un mur qui est recouvert d'un autre mur. L'année précédente, son professeur, elle passe par le Bauhaus, toutes ces femmes passent par le Bauhaus et après ouvrent leur propre bureau. Lily Reich travaille, comme vous savez, avec Miss Van der Rohe, mais elle est aussi toute seule. L'année précédente, donc en 27, Lily Reich avait été mandatée par l'Association des fabricants allemands de textiles pour créer un stand dans le cadre de l'exposition de mode féminine qu'elle fit savamment, donc ici à Berlin, le café Samt und Seide, donc velours et soie. Des espaces définis par des cloisons flexibles et flottantes dont le velours, la soie et le tissu en fibre rayon noir, orange, rouge et jaune citron, il faut imaginer tout ça par des photos en noir et blanc, suspendues à des tringles de métal arrondi et les meubles de Miss Van der Rohe. Et donc on a cette architecture donc par le textile et encore par donc des voies détournées. En France, c'est au stand de la Deutsches Werkbund. Je vais revenir à Hitler après. En France, c'est au stand de la Deutsches Werkbund, de quelle on a entendu parler ici, allié au Bauhaus, à la section allemande du Salon des artistes décorateurs au Grand Palais, que le public parisien se confronte pour la première fois à une installation de photos à grande échelle. Et ça, c'est donc la cinquième salle que vous avez ici de Herbert Bayer. Avec une touche d'humour, et là, pour la première fois, là, récemment, une conférence là, où je viens d'aller à Yale sur le Bauhaus, justement, intermédiaire, j'ai vu donc la couverture de ce catalogue qui montre avec une touche d'humour qui est unique à la pratique du photomontage et que l'on trouve de temps en temps chez Perrian quand elle travaille avec, surtout quand elle travaille avec Léger. La couverture de ce catalogue montre des petites figures, peut-être Perrian, là je vois qu'elle s'achemine vers le double escalier néo-baroque du Grand Palais, rendu avec un petit diagramme linéaire ténu, c'est ça que j'aime bien, regardez le tout petit escalier là, diminué néo-baroque pour l'éliminer de l'enlever de la plaque, rendu donc dans ce diagramme linéaire ténu avant de se presser comme des sardines, littéralement comme des sardines, dans une foule compacte se dirigeant vers les expositions. Et ce catalogue, au fait, s'ouvrait comme ça et on voyait en miniature toute l'exposition. C'était comme une maquette. Et ça, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, ce catalogue. Mais, entre-temps, voici ce qu'écrit le critique Philippe Diollet, 6 ans plus tard, dans la revue Beaux-Arts en 1936, sur cette technique donc de la photographie ou de ce qu'on appelle le photomural. Je cite « Le photomural est un genre difficile. Immanquablement, devant une œuvre de cette espèce, les spectateurs disent, selon leurs opinions politique, qu'elle est fasciste ou bien soviétique. Et dans un cas ou l'autre, vous pouvez être assuré que l'épithète est péjoratif. Leur réussite est d'autant plus intéressante à considérer que l'exposition de 37, donc il écrit ça juste quelques mois avant l'ouverture de l'expo, nous promet beaucoup de tentatives du même ordre et réalisées par des artistes très différents. Il sera donc bientôt temps de formuler les lois du genre. Au reste, hâtons-nous, car je ne pense pas que ce genre lui-même soit de ceux qui traversent les siècles. Avant 2 ans, nous ne pourrons plus supporter la vue d'un photomontage si l'ingéniosité n'en est pas stupéfiante et la conception diabolique. » Et là, on voit évidemment ce qui se passe avec le photomural. Le photomural est un problème après la guerre. Et c'est pour ça que nous avons ici, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, une dépolitisation extrême de ce genre d'instrument qui doit être désoviétisé, défascistisé, etc. Et là, c'est donc esthétique. Et avec bonne raison. Maintenant, Perrian est la première, je crois, enfin, si j'ai
bien compris quand même dans mon travail en France, à avoir vraiment amené et travaillé comme ça, à déployer le photomural sur cette échelle. Là, nous avons, quand j'avais écrit mon livre Mural Nomade, j'avais que des photos en noir et blanc. Et je, voilà, les photos de Collard. Et après, j'ai découvert les reconstructions de Jacques et de Pernette et j'ai compris qu'il y avait de la couleur. Et ça a été une révélation pour moi. Et quand le livre a été republié en français, j'ai dû modifier. C'est la seule partie que je modifie dans ce livre parce que là, ça a été une redécouverte, comment ils ont reconstruit ça en couleur. Voilà. Proche du modèle soviétique, on a donc l'œuvre que vous voyez et que vous avez déjà vue, qui est donc les trois murs du bureau, là, de l'entrée de la salle d'attente du ministère de l'agriculture Georges Monet, peu après la victoire socialiste en 1936. Sa collaboration avec Léger, qui est superbement aussi, on a de nouveau ces reproductions de ces reproductions, je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, de ces photos muraux dans l'exposition ici en haut. Sa collaboration avec Léger à l'exposition de 1937, dans le petit dégagement attribué au pavillon du ministère de l'Agriculture, du PSF, donnait de nouveau au médium un nouvel élan, un élan socialiste, et donc plus soviétique, ni fasciste, enfin ni italien, ni allemand. Dans les deux cas, cependant, une utilisation très peu architecturale de l'agrandissement photographique, déployé malgré son thème, je dois dire, en effet papier peint, un petit peu, à gauche, parce qu'il est troué par la porte d'entrée, ce qui est quelque part un problème par rapport à ce travail, ou monté dans une structure zigzag de panneaux d'affichage alternant avec les treillages surélevés au moyen de poteaux en forme de pilotis dans cette petite clairière ici. Une des surprises dans cette exposition, ici chez Louis Vuitton, est celle qui, et c'est un vrai tour de force, c'est le carton de tapisserie de Guernica. Je ne savais pas qu'il y avait ce carton de tapisserie réalisé, enfin je savais qu'il y avait la tapisserie, mais pas le carton de tapisserie, réalisé à la demande de Picasso en 1955 à l'atelier de la Baume d'Urbar pour la résidence de Nelson Rockefeller, gouverneur de l'État de New York à Albany. Donc ça, c'était à Albany, dans le haut. Oh. Au bout, là, vers le Canada, au début, et qui se trouve maintenant à l'ONU, la tapisserie. Et ça, c'est dans une collection privée, je ne sais pas à qui elle appartient. Je suis curieuse. Une grande gouache sur papier craft. Un tour de force de la part, je présume, je ne sais pas, de Sébastien Chéruet, qui nous permet de substituer, vu que Guernica, la toile, doit rester au Reina Sofia, c'est une icône aujourd'hui, mais restituer la présence de cette toile capitale à l'expo de 37, avec un petit pli comme ça chronologique, 55-37, à l'échelle identique, mais aussi un geste expositif qui nous permet, puisqu'elle est exposée comme ça, avec les autres photomuraux et la petite table, enfin il y a une autre table là de côté avec une photo dessus, aussi de comprendre une chose très importante que je me rappelle, je n'avais pas réussi à faire avec cette exposition quand j'avais rencontré Jacques et Pernette à l'exposition de Madrid sur les années 30, et qui est de nous faire comprendre le lien entre Guernica dans son pavillon espagnol de 1937 avec tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire des photomuraux noirs et blancs de la même taille que la toile de Picasso par José Prenau. Et au fait, la toile, Picasso est l'inventeur du collage, il est l'inventeur du papier collé en 1912. Cette toile a été conçue, quelque part, comme un grand photomontage. Et on le voit, c'est très clair dans ces photos de Dora Maar dans le studio de Picasso. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Ça a été vraiment, j'ai dit bravo. Chapeau. En haut. Bon, mais c'est justement ce rôle-là du photomural qui doit être renié après la guerre. Et c'est donc une version dépolitisée et esthétisante à la Werkbund Bauhaus, ça ressemble à celle de Bayer que nous avions vue de 1930, que c'est comme ça que la photographie revient à la Triennale de Milan en 1951. Une triennale dédiée, rappelons-nous, dès sa création sous le fascisme en Italie en 1928 à la synthèse des arts. C'est une triennale où, là, au début, en fait, il n'y avait même pas l'architecture, il y avait les arts décoratifs et la peinture, et l'architecture se joint quand elle passe de Mons à Milan en 1930. Et voici, je vous montre ici la petite, une installation de la petite mais importante cette exposition, Architettura misura dell'uomo, architecture mesure de l'homme, conçue par Ernesto Rogers, l'architecte, éditeur, vous savez, de Casabella, de Domus, il faisait des allers-retours à cette triennale. Où c'est, par contre, un immense panneau peint, la plus grande œuvre en haut, de Léger, et non pas un photomural qui décore le mur de la section française à laquelle participe Perrien. Et ça, je pense que c'est intéressant de voir que
le photomural, dans ce cas-là, disparaît, et elle s'en empare, mais léger, nevermore. Bon, je veux revenir pour finir à cette agence de Tokyo. À venir, l'agence de Tokyo, qui était sans contexte. On m'a demandé d'écrire sur les agences de voyage, et j'ai adoré, parce que ça m'a permis d'écrire sur des choses sur lesquelles je n'avais jamais écrit. Et donc, cette superbe agence à Tokyo, contribution donc de Perrien pour Air France, et qui traduit de la façon la plus poétique de toutes ces agences la notion d'évasion et de dépaysement. Nous avons deux photos ici. C'est un des grands photographes d'architecture, Yukio Fatagawa. Il a fait les 12 volumes de Frank Lloyd Wright et un très, très beau livre sur l'architecture vernaculaire et traditionnelle japonaise. C'est lui donc qui fait les photos pour, je ne sais pas, j'avais demandé à Jacques si c'est pour Perrien, parce qu'elles sont dans l'archive, ou si c'est pour Air France, mais en tout cas, elles apparaissent celle de gauche en couleur et la plus belle, ma préférée. Je vais faire tout un truc là-dessus un jour. Cette photo-là à droite, malheureusement en noir et blanc, mais dans aujourd'hui Art et Architecture, la revue d'André Bloch en 61. Avec ces murs noirs de jais, les grandes tables vernies, ces tapis rouges sombres, les sièges écarlates de Charles et Ray Eames, et plus spectaculaire encore, le miroitement au mur d'une œuvre cinétique, donc exécutée par Perrien elle-même, l'agence était encore plus fascinante vue de nuit depuis la rue, dans un rougeoiement incandescent telle une boîte japonaise traditionnelle en lac. Le mur cinétique que vous voyez ici, une surface composée, et là c'est amusant, oui, parce qu'il y a la photo à gauche, évidemment, il y a un petit côté néo-japoniste, évidemment, néo-japonisant, les femmes en kimono, les hommes habillés à l'occidental, et donc il y a tout un jeu là-dedans, et c'est assez charmant. Le mur cinétique, une surface composée d'une bande de film collée sur un caisson lumineux, ainsi que 29 lames d'aluminium disposées verticalement. Ça m'était très difficile de comprendre exactement comment ça fonctionnait, et finalement j'ai compris. La reproduction ici est belle, un petit peu problématique parce qu'il n'y a pas le caisson lumineux derrière. Donc on perd ce côté comme ça d'imaginer ce caisson lumineux la nuit quand on passe devant l'agence. Vu d'en haut, les photos de Vaux-le-Vicomte et du Mont-Saint-Michel que je vous ai montrées il y a 5 minutes apparurent étonnamment expurgées, même à Londres, la ville du Blitz, pendant la guerre, des angoissantes connotations militaires qu'aurait pu véhiculer une perspective aérienne plongeante. Le scénario japonais, de son côté assurément décoratif, comme j'ai dit, associé à une forme de géo-japonisme, avec une touche de genre, certainement. C'est une agence faite par une femme, on met des femmes en kimono. Ici, il s'agit donc quoi ? Alors, les très beaux hectachromes. Il y a aussi, par contre, cependant, une dimension dystopique, accentuée, je crois, donc, dans ce mur cinétique par le médium photographique. Les prises de vue aériennes de l'Institut cartographique danois, choisi par Perrien, avaient à l'origine une vocation militaire. L'assemblage et le désassemblage cinématique des formes quand on bouge d'un côté à l'autre, et on a deux visions, donc vous savez, il faut marcher et voir comment les formes s'agencent et se désagencent. Le désassemblage cinématique des formes ou des figures représentées sur un fond lumineux se transforme en blocs de glace fracturés sur une image en noir et blanc avant de reprendre une configuration solide, n'étant pas sans rappeler une déflagration atomique. Bien que personne à l'époque n'ait écrit la moindre ligne à ce sujet. Et ça, c'est vraiment le moment de la guerre froide, et comme j'explique dans mon texte sur le catalogue, c'est même le trajet, la façon dont on allait de Paris au Japon, on ne pouvait pas passer par la Russie. Il fallait passer par le pôle Nord. Et ça, je me suis rendu compte parce que j'étais allée en Chine quelques mois plus tôt, je me suis dit, mais pendant tout le voyage, on était sur la Russie. Où est la Russie tout à coup? Pourquoi la Russie n'est pas... Évidemment, c'était un autre trajet. On ne pouvait pas voler sur la Russie pendant cette période. C'était un espace gardé. Donc, même en dessous de tout ça, de ces beaux objets, il y a donc la guerre froide. Tout ce que je veux dire là, et j'en arrive presque à la fin, c'est que c'est très différent de Jean Lurça, par exemple, le pauvre Jean Lurça, et la commande, par exemple, des les trois soleils. Une immense tapisserie tissée la même année, en 61, pour le restaurant des voyageurs de première classe à l'aéroport d'Orly Sud, et qui fut pour lui, au contraire, une occasion de dédramatiser les motifs d'explosion cosmique, presque identiques à ceux de cette tapisserie, qu'il venait d'exposer en 58 au Musée national d'art moderne sur le thème de la bombe d'Hiroshima.
Donc, voilà. Alors, il y a un genre de, comme ça, de mouvement de l'un à l'autre, où c'est le mur de Perriand qui trouble. Je veux finir, en une minute, en disant quelque chose, pour terminer, sur l'effet d'envoûtement que peut créer la photographie d'architecture, et surtout l'architecture, la photographie d'espace intérieur, comme celle-là. On a parlé de la puissance de rêve, et là, le rêve, il est assez problématique. Revenons à Lili Reich. Au cours des années 30, les rideaux des Drineaux... Alors ça, c'était les photos les plus extraordinaires que j'ai vues donc, à cette conférence où je suis allée, là, comme je vous ai dit, sur le Bauhaus. Et ça m'a vraiment frappée et dérangée. Au cours des années 30, des rideaux diaphanes apparaissent presque toujours tirés sur les grandes vitres de ces intérieurs. Et là, on a donc un intérieur de 31, l'habitation de notre temps, appartement de couple marié, hein, let's be clear. Bon, et vous voyez, chaque fois qu'il y a toujours ces rideaux, on ne voit jamais ce qui se passe dehors. Dans ces photos noires et blancs, dont nous ne connaissons pas l'auteur, une lumière laiteuse éclaire un univers moderniste épuré. Rétrospectivement, ces rideaux ont une dimension presque sinistre. Reich, elle a le parfait nom pour sa carrière, eut une belle carrière pendant toutes les années du Troisième Reich. C'est comme si elle s'efforçait d'isoler ces espaces au design impeccable des activités ignominieuses qui se déroulaient dans la rue. Otti Berger, que je vous ai montré il y a deux minutes, par contre, est morte à Auschwitz. Donc deux carrières complémentaires avec des fins très différentes. C'est une autre forme d'envoûtement que nous rencontrons dans les photos prises par Yuko Futagawa. Et vraiment là, je suis en train d'écrire un livre où il y a des scènes différentes. Et je suis en train de lier ces deux photos au fait à une photo prise par un autre photographe japonais, qui est le photographe du moment, d'Enafea de Monet. Juste à ce moment-là. Et il se passe quelque chose de très intéressant avec ces photos, de nouveau au niveau du rêve, au niveau de la guerre froide, est-ce qu'on peut vraiment rêver? En tout cas, voilà, donc, nous avons ces photos-là, elles sont superbes. Le prospectus de l'agence photographique X9, à laquelle Perriand fait appel pour ses agences de Londres, de Paris et de Tokyo, et pour faire donc du travail de photos sur du métal, promet des tonalités de fond métal qui donnent, je cite, une impression de relief et de profondeur comme une sorte de glace. S'appuyant sur l'omniprésence chez Perriand de ces surfaces réfléchissantes qu'elle utilisait toujours avec beaucoup d'habileté et de subtilité, ces images capturent à la perfection les contours des continents et les imposants blocs de glace. Ils refont surface dans la brillance des murs et des longues tables au premier plan, créant une sensation d'enveloppement total au cœur d'un espace doté d'une magie singulière. On pourrait dire que ce sont ce type de photos, ces photos, peut-être plus que les reconstructions d'objets et d'environnements, qui nous captivent. Merci. Merci beaucoup, Romy Golan, pour vraiment ce case study passionnant. Sur l'utilisation de la photographie murale, notamment au sein des agences de voyage, et aussi d'avoir replacé ça dans une évolution aussi de sa pratique photographique, en reflet aussi avec ce qui se passait dans le contexte socio et politique. En reflet, c'est parfait, parce que en reflet. Voilà, j'ai une petite question. Oui. C'est justement en voyant la tapisserie murale de Lotti Berger que vous avez montrée, ça m'a fait penser à une autre tapisserie. Tu me vois venir? À une tapisserie que Charlotte Perriand avait conçue pour les Nations Unies à Genève. C'est vrai. Qui est vraiment comme une grosse peinture murale, un peu comme un écho allégé. Je n'y pense jamais, parce que moi, je m'en pensais même jusqu'à récemment qu'elle n'avait jamais fait de tapisserie. Et je me rappelle que je devais faire écrire le petit truc, la notice sur ça, et puis je ne l'ai plus écrit. Alors du coup, je ne savais même plus, j'avais complètement oublié qu'elle avait fait ça, et c'est en tissu, et c'est vrai. Attention. La tapisserie, les quatre tapisseries venues de Genève ont été commandées par Charlotte Perriand, mais pas créées par elle. Elles ont été réalisées par Simone Prouvé. Et l'histoire est assez extraordinaire. Simone Prouvé, la fille de Jean Prouvé. C'est en fait elle qui a fait le dessin. C'est Simone Prouvé qui a fait le dessin. Je raconte l'histoire dans le volume 3, qui est assez extraordinaire.
car Charlotte a mis 10 ans pour faire changer les peintures originales, dont je ne citerai pas l'auteur, de 1934. Et elle fait faire un projet à Simone Prouvé magnifique, absolument magnifique. Elle le montre au directeur général de l'ONU, qui était un Suédois à l'époque. Et c'était toujours trop fort, trop fort, trop fort. Donc le directeur général demande à Charlotte et à Simone de baisser les contrastes, etc. Enfin bref, la pauvre Simone Prouvé, heureusement nous avons les photos des maquettes que je publie, crée une tapisserie qui était vraiment presque diaphane. Elle la monte, etc. Sauf que les pompiers sont intervenus et les pompiers ont dit « Désolé, vous devez absolument mettre un traitement sur les tapisseries », qui était énorme. Vous connaissez la salle de l'Assemblée de l'ONU, c'est énorme. Et le traitement des pompiers a fait que cette tapisserie de Simone Prouvé, qui était très belle, très, très touchante, tout a disparu. Et Charlotte était consternée, Simone était consternée, et voilà l'histoire de cela. Par contre, on a retrouvé, il y a un marchand qui a retrouvé récemment une tapisserie superbe faite par Charlotte Perrion, créée par elle, à partir d'échantillons de tissus de Simone Prouvé aussi. Ah ! Donc, formidable. Tu vois, il y a bien une tapisserie de Charlotte Perrion, quelque part. Eh bien, très bien. Donc, je passe la parole à notre dernier intervenant, Paul Ardenne, et on va passer du 20e au 21e siècle, et justement l'actualité, la pertinence aussi de Charlotte Perrion. Merci à tous pour l'invitation, merci d'être restés jusqu'à cette heure tardive. À la demande de Pernette et de Jacques, donc, on m'a demandé d'envisager la synthèse des arts, donc cher à Charlotte Perrion, prise de critères, ou des critères qui seraient ceux de la création artistique contemporaine. Voilà. Donc, alors cette question de la synthèse des arts, bon, je crois qu'on l'a compris, hein, c'est une problématique centrale chez Charlotte Perriand. Bon, on a parlé des années 20 déjà, du passage en 1929, donc du Salon des artistes décorateurs, l'année suivante à l'Union des artistes modernes. Bon, tout ça est lié, bien sûr. Alors, les premières images renvoient à la concrétisation majeure, si vous voulez, dans sa carrière de ce que serait ce concept de synthèse des arts. Donc en 1955, de façon déclarative, hein, au Japon, de nouveau, suite à l'exposition dont Germain vient de nous parler en 1900, au début des années 40, donc une exposition qui s'appelait « Proposition d'une synthèse des arts, Paris 1955 », donc Le Corbusier, Fernand Léger, donc Charlotte Perriand, Tokyo 1955. Voilà, hein, je ferme la parenthèse, les guillemets, pardon, c'est le titre. Alors c'est une proposition évidemment qui prend valeur de revendication, même de programme culturel. Elle a lieu là où avait déjà eu lieu, donc quelques années avant, une exposition de Charlotte Perriand dans les grands magasins de Takashi Maya à Tokyo. Et on va y présenter du mobilier, bien sûr des espaces aménagés et décorés, avec des peintures de Fernand Léger, des tapisseries, notamment les tapisseries de Le Corbusier. Alors je ne veux pas vous renvoyer, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a plus le temps, mais Katia Baudin, ici présente, qui dirige cette table, a écrit un texte remarquable sa documentation et sa précision dans le catalogue, et je vous y renvoie, plus évidemment à la restitution de cette exposition. Donc vous avez quelques éléments ici. Alors je vais partir de la notion de synthèse des arts, puisque c'est à ça que on m'a demandé de m'accrocher. Alors, la synthèse, on peut le rappeler, c'est un terme qui est créé en France au XVIIe siècle, à partir de deux termes grecs, bon, sen, qui signifie ensemble, et thésis, qui signifie l'action de poser. Alors, excusez-moi pour la leçon d'étymologie, mais moi, je suis toujours tout à fait intéressé à ce que nous dit l'étymologie. On parle ici d'une mise en commun, que c'est une opération intellectuelle ou artistique, par laquelle on réunit par un tout cohérent et structuré des éléments de connaissance ou de pratique artistique, en fait, qui sont généralement reliés à un domaine particulier au départ. Alors, que veut dire Charlotte Perriand lorsqu'elle parle de synthèse des arts? Et on va voir après ce que veulent dire éventuellement d'autres champs de la création plus récente avec le même terme, la même formule.
Donc, étymologiquement, on a affaire à une mise en commun. Une mise en commun de quoi ? Bah, de tout ce qui constitue, si on peut dire, et pour simplifier, une fabrique de formes, et par extension, une fabrique de ressentis humains. Bon, vous savez que c'est une créatrice du ressenti humain, fondamentalement. Bon, c'est des choses qui ont été évoquées, j'y reviens pas. Donc, l'architecture et les arts appliqués, la photographie, la peinture, la constitution de décors, bon, la tapisserie, évidemment, hein, tout domaine où, comme l'on sait, elle pratique et excelle. Alors, cette mise en commun, c'est là l'esprit de la synthèse, dans son cas, ne souffre pas de hiérarchie. C'est ça qui est intéressant. Bon, ça a été évoqué tout à l'heure, elle est anti-académique, hein, au sens où, ici, on ne considère pas qu'il y a un art majeur qui serait, par exemple, l'architecture, qui serait, bon, par ordre d'importance, suivi par la peinture d'histoire, alors qu'à l'autre bout de la chaîne, la tapisserie, la gravure, l'illustration, en revanche, seraient des arts mineurs. Bon. Alors, si vous voulez, Charlotte Perriand, à travers ce concept qui lui est cher de synthèse des arts, en somme, elle postule pour ce qu'on pourrait appeler l'horizontalité des valeurs plastiques. Alors, cette notion de valeur plastique, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, vous savez, c'est très désuet. Mais à cette époque-là, c'était extraordinairement débattu, au point, par exemple, qu'en Italie, dans les années 20, il y avait une revue qui s'appelait Valori Plastici, par exemple, qui était très importante, qui était plutôt située du côté de la tradition. Et pourquoi on débattait beaucoup de ces questions ? Puisqu'on avait un croix intense alors des thèses qu'on peut appeler les thèses de l'horizontalité, l'idée que tous les arts se valent, avec un fond, on pourrait dire déjà, historique de développement, en ce sens. Alors, je pense qu'on a parlé du Verbum, du Bauhaus, mais il y avait aussi les Art and Crafts, hein, à la fin du 19e siècle, hein, le Maurice, Macintosh, le Jugendstil aussi. Bon, alors évidemment, le Bauhaus dont on a parlé, bien évidemment. Et tout ça allait contre les thèses classiques, traditionnalistes, qui sont des thèses de la verticalité. Alors, en fait, quelle était l'essence du débat ici, pour simplifier ? C'est un débat, au fond, qui tournait autour de la notion de ce qu'on pourrait appeler le grand art. Hein, le grand art. Qu'est-ce que c'est que le grand art ? Est-ce qu'il y a encore un grand art ? Hein, et alors, le grand art, celui qui se revendique ou se revendiquerait au-dessus des autres, ne serait-il plus dorénavant que son propre vestige ? Hein, la formule de, vous connaissez peut-être de ce philosophe français, Jean-Luc Nancy. Voilà, alors, on prend un exemple, on va quitter ce bel univers, vous voyez, on pourrait dire de synthèse des arts très normatif, au fond, pour autre chose, mais très rapidement, je ne vais pas vous bassiner, si je puis dire, hein, avec cet urinoir de la firme de sanitaire Mutt, américaine, que Duchamp appelle Fontaine, qu'il signe, qu'il entend bien exposer comme une pièce de musée. Donc, voilà, déjà, il y a 100 ans, hein, un peu plus de 100 ans, pour ce qu'on appelle le ready-made. Alors, si cette œuvre-là équivaut à la sculpture de la Victoire de Samothrace, bon, il est clair que la notion de valeur plastique, hein, est chamboulée. Ça ne veut pas dire qu'elle est obsolète, mais qu'elle est chamboulée, c'est-à-dire que le haut, à présent, peut résider dans le bas, enfin, ou dans le milieu, d'ailleurs, du corps, hein, le fort dans le faible, le sublime dans le quelconque, l'exceptionnel dans l'ordinaire, sans que l'inverse soit garanti. Alors, Charlotte Perriand, elle se revendique d'une modernité, de la modernité, qui plus est, qui est celle du socialisme. On a beaucoup parlé de son adhésion au communisme, hein, entre les années 30 et le pacte germano-soviétique, donc du 23 au 39, vous avez, Germain, rappelé ça très précisément, et c'était nécessaire, parce que, bon, elle a eu une vraie conscience, elle a très bien compris ce qui se passait. Bon, certains vont mettre encore 40 ans avant de le comprendre, bon, ce qui peut poser des problèmes, enfin, c'est leur problème, en l'occurrence. Bon. Alors, si vous voulez, elle se définit d'un même tenant comme une créatrice moderne, partisane du chamboulement des valeurs plastiques traditionnelles, et comme une partisane de la démocratie dans les arts. Hein, et ça, c'est important, cet aspect politique. Je crois qu'il faut le mettre en avant, bien sûr, dans son travail. J'ai quelqu'un qui est très engagé. Donc, comme une partisane de la démocratie dans les arts, c'est-à-dire démocratie dans les arts qui induit l'égalitarisme, c'est-à-dire l'égalisation des pratiques artistiques et du crédit accordé à leur valeur intrinsèque. Alors, je prends un exemple, si vous voulez. Alors voilà, je fais une suite de choses. La photographie stylisée sur un mur d'appartement d'un os de poisson, par exemple, ce qu'elle fait. Un fauteuil pivotant dans ce même appartement, ce qu'elle fait aussi. Un appartement confortable et bon marché, dont les éléments séparateurs et les rangements sont modulaires et aisément manipulables, bon, ce qu'elle conçoit aussi. Un immeuble où se trouve cet appartement conçu de façon rationnelle, industrielle, peu coûteuse, on va dire à l'agent prouvé. On sait aussi des choses qui, évidemment, qui la sollicitent. Ouvert largement à la lumière, aménageant la même qualité de vie, à chacun de ses résidents, ce de quoi elle a le désir. Voilà, en somme, ce qu'est, on pourrait dire, la synthèse des arts, hein, selon Charlotte Perriand. Alors, dans ce système artistique, la mise en commun des arts travaille, je dirais, non pas dans le sens de l'uniformisation, hein, qu'on a vu, par exemple, dans l'exemple de cette salle allemande, là, très, très intéressante. Hein, bon, voilà, c'est plutôt l'uniformisation ici.
en s'assujettissant au modèle de l'écrasement des valeurs, mais plutôt dans le sens de l'intégration. C'est ce qu'on sent partout dans son travail, un modèle qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la réquisition meilleuriste des arts dans la perspective du mieux général, donc quel que soit ces arts, du gros œuvre de la conception architecturale jusqu'aux petites œuvres du décor, enfin c'est pas moi qui dis petit, en passant par l'œuvre moyen de l'ameublement, c'est pas moi qui dis moyen, ici tout est au même niveau. Alors, j'arrive maintenant dans ce qui est le vif du sujet, la demande, si vous voulez, avancer dans le temps, alors très schématiquement, en 10 minutes c'est très difficile, mais une fois qu'on a défini cette synthèse des arts, entre guillemets, selon Charlotte Perriand, on va essayer de voir ce qu'elle pourrait avoir ou non de contemporaine, c'est-à-dire on va se demander précisément si la création depuis aujourd'hui s'incarne dans un modèle similaire ou convergent, ou si au contraire elle se fait de la synthèse des arts une interprétation tout autre. Alors, la première donnée à rappeler, c'est ce que l'image voudrait ici exprimer, c'est du mobilier du groupe Memphis, de Ettore Sottsass et quelques autres, c'est les années 80 essentiellement. À partir des années 70, dans tous les domaines de la création, de l'architecture aux arts plastiques, même du design au cinéma, entre autres, l'importance de cette contestation violente de la modernité qu'a représenté le mouvement postmoderne. Alors, je ne vais pas refaire ici l'histoire de ce mouvement, ce n'est pas évidemment le lieu, il faudrait un colloque spécifique, il est peut-être prévu d'ailleurs une exposition sur ce point, mais je voudrais rappeler quelques points rapidement. Qu'est-ce que c'est que le postmodernisme, en simplifiant? On va dire que c'est une culture systématique du contrepoint. On prend le contrepoint. Si les modernes disent la forme suit la fonction, les postmodernes peuvent répondre, ou non, la forme est libre, elle peut s'indifférer de la fonction. Ça peut vous donner une théière de Marco Zanini qui ne peut pas tenir debout, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave, demande que c'est une théière, Memphis, donc tout va bien. Le deuxième point, la postmodernité, c'est le retour de l'historicisme. C'est-à-dire la modernité, en schématisant, a fait table rase de tout, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais enfin, reconvoquant ce tout dans le désordre, peu importe. Alors, je prends un exemple assez amusant. Chaque fois que je vais à la Nouvelle-Orléans, je vais toujours voir depuis bien des années la fameuse Piazza d'Italia de Charles Moore, qui est une œuvre très déclarative. Donc, vous voyez, les parterres, on voit ici, reprennent la découpe donc de la péninsule italienne, et l'entrée des bâtiments, comme on le voit ici, se fait, c'est tout à fait étonnant, par une sorte de portique romain de type plaquage qui évoque un décor de péplum hollywoodien. Le troisième point de la postmodernité, c'est l'indifférence politique, tout en faisant de la politique aussi, bien sûr, mais d'une autre façon. On pourrait dire, en schématisant, que la modernité avait créé des artistes puissants, on en voit beaucoup passer depuis ce matin, qui sont des prométhées, des éclaireurs. La postmodernité a créé des artistes qui font d'abord ce qu'ils ont à faire, de façon idiosyncrasique, en s'indifférant totalement de tout utilitarisme. Alors c'est comme ça que dans les années 80, je me souviens, il y avait Sylvester Stallone à la une de Art in America. Vous voyez, en disant, oui, je fais de la peinture, et puis je mérite bien d'être un... Vous aviez Ad Reinhardt qui voulait tuer la peinture, puis vous avez, Dieu merci, il y a Sylvester Stallone qui fait revivre la peinture. Tout ça est vraiment formidable. Vous voyez, l'art n'est jamais mort, d'une certaine façon. Alors, la quatrième donnée, peut-être la plus importante dans le postmodernisme, c'est la dévitalisation du sens, si vous voulez. Là où les modernes entendent mettre du sens dans tout ce qu'ils entreprennent, hélas, parfois, comme vous le savez, les postmodernes considèrent que le sens est l'ennemi du sensible. Si le non-sens offre un potentiel de jouissance supérieur à celui qu'offre le sens, alors va pour le non-sens. Il m'a manqué une image ici, mais si on prend par exemple la mode homme d'un styliste parisien d'origine américaine, qui s'appelle Rick Owens, par exemple, qui est un Californien basé à Paris. Il y a des soldes d'ailleurs intéressantes actuellement, ils cassent les prix. Il est divisé en deux. C'est peut-être que ça marche un peu moins, mais... Deux, c'est pas assez. Mais si, je vous assure, ça devient accessible. Jacques Lang n'aura pas à se les faire offrir. Lui, on vient d'apprendre qu'il s'est fait offrir pour 500 000 euros de costume. Donc, c'est quand même pas mal. C'est mieux que Roland Dumas avec ses berloutis. Donc, à 2100 euros, bien évidemment. Si vous prenez la mode d'un styliste tel que Rick Owens, c'est une illustration de ça tardive, il est vrai. Mais un homme habillé avec un bustier féminin, chaussé de bottes de scaphandrier, par exemple, dont le slip rendu apparent laisse sortir à l'air le pénis, voilà du sensible, et l'assurance de défiler à succès, récemment au Centre Pompidou, pendant la Fashion Week, c'est évidemment moins moderne, moins ligne claire que Dior ou Saint Laurent, mais on considère que c'est très excitant.
Alors, si vous voulez, et j'en finis avec le postmoderne et je viens à la période contemporaine, on l'a compris, la synthèse des arts existe moins que ce qu'on pourrait appeler leur désynthèse, hein, si on peut dire, avec un fort quotient d'antithèse opposé à la thèse moderne dont Charlotte Perriand est une représentante. Alors, j'avance et je finis maintenant, les quelques minutes qui me restent, là, voilà, avec... Donc aujourd'hui, et l'art le plus en pointe à cette heure, alors je fais un grand bond, là je fais un bond de 30 ans, c'est l'art qu'on appelle l'art de la génération Y, hein, celle des milléniaux en France, ou millennials en anglo-saxon, les natifs de la période 1980-2000, c'est-à-dire les enfants de la société digitale, d'Internet, des réseaux sociaux. Alors, bon nombre de ces créations milléniales en ce moment, vous les avez peut-être vues, sont présentées à la Biennale de Lyon, et la plupart signifient... de ces créations, il y en a beaucoup, l'exposition You aussi, donc la connexion Lafayette Anticipation au Musée d'Art Moderne de Paris, hein, vous verrez. Donc, très souvent, ce sont des environnements ou des installations, c'est-à-dire des formules à plusieurs entrées, qui ne se contentent pas d'un seul médium pour exister, mais qui vont volontiers cumuler une infinité de médiums sur un même site et en une même œuvre. Alors, on a des maîtres mots ici, hein, pour ces créations, ce serait accumulation, agrégation, compilation, achalandage même, hein, on achalande, hein, on fait un magasin, quoi, hein, ou encore stockage. Bon, alors je prends une série intéressante qui s'appelle « Oh, oh » de Jacob Lena Klebl et Ashley Heinz Scherbel. Elle a été présentée au MUMOC à Vienne donc en 2017 et une partie en est présentée aux usines Fagor actuellement à la Biennale de Lyon. Donc voilà. Alors c'est une grande exposition, une grande installation, c'est-à-dire d'exposition de design ou stand de foire de style FIAC. Hein, voilà. Et ce qui s'impose d'abord, c'est le nombre élevé des éléments convoqués et la dimension des supports. C'est un art souvent des plateformes. Vous voyez, il y a cette notion de plateforme qu'on trouve dans la société digitale, hein, ou hypertextuelle, on la retrouve beaucoup dans l'art de la génération Y. Alors sur ces plateformes, hein, vous avez au fond, dans tous les sens de la géométrie, que ce soit largeur, longueur, hauteur, profondeur, vous avez des objets généralement hétéroclites, sans grand rapport les uns avec les autres, mais disposés cependant comme un tout. Alors, ben, vous voyez des peintures, des meubles, des sculptures, des textes, de la musique, bon, voilà, des documentaires, des reportages, des photos de famille, bon, et ça, bon. Alors, le tout adopte un principe d'exposition hétérogène, hein, ce qu'on appelle l'erratic display, c'est l'aménagement erratique, hein, c'est ce qui dit tout, d'ailleurs, je trouve ça c'est pas mal. Ou encore, comme on a pu le dire à propos de l'artiste américain Jason Rhodes, qui est le précurseur du genre dans les années 90, bon, malheureusement qui est mort, il est mort à 41 ans, donc dans les années 90, ce qu'on appelait le grandiose mess, c'est-à-dire le bordel grandiose, hein, pour schématiser, si vous voulez. Bon. Alors, la notice de O, que j'emprunte au catalogue de l'exposition, je trouve que c'est quand même intéressant, ne fait qu'ajouter à l'effet produit pour la circonstance, c'est-à-dire celui de l'offre maximalisée sans mesure. Alors voilà ce que je lis. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein, c'est mon métier souvent d'écrire des notices, mais bon, cette fois je l'emprunte à des collègues. Les deux artistes interviennent en duo à la Biennale, en collaboration avec alors attention, tenez-vous bien, avec le label de mode unisex House of the Very Islands Club Division Middlesex Class and Camp, but the question, where are you now? Bon, voilà, c'est le nom du, hein, voilà, du label de mode. Alors, leur projet s'inspire de sources aussi diverses que les mimiques de Louis de Funès, magnifique Louis de Funès, hein. Valère Novarina, un très grand texte pour Louis de Funès, hein, vous vous rappelez, quand même. Immense acteur, le design moderniste, la peinture du romantisme noir, les années 70 et le glam rock. Voilà, bon. Alors, le pauvre Candide, assommé par cette œuvre écrasante, se demande, mais est-ce tout? Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose? Hein, bon, voilà. Alors, bref, tout ça est dévertébré, c'est peu structuré. Alors, si on parle de synthèse des arts ici, est-ce qu'il y en a une? Bon, ça, c'est encore haut. Et puis, on peut voir, je vous montrerai Jason Rhodes pour finir tout à l'heure, le pionnier un petit peu de tout ça. Oui, il y a une synthèse des arts, mais en précisant que la synthèse, dans ce cas, n'est ni la thèse ni l'antithèse de rien. Hein, bon, elle est trop agrégative pour cela, j'ai envie de dire, elle ramasse beaucoup trop. Hein, et ici décèle un mode créatif particulier qui est très intéressant, celui de la génération Y, c'est l'artiste choisit, si on peut dire, de ne pas choisir. Voilà. Bon. Alors, quel mobile on pourrait trouver? Bon, alors là, j'interroge pour la revue Art Press récemment les curateurs de la Biennale de Lyon, c'est-à-dire l'équipe curatoriale du Palais de Tokyo à Paris, et ils me disent, l'heure est aux frictions, le monde élargi, l'heure est au flux, la globalisation, l'heure est à la configuration rejouée du réel, bon alors comprendre le mélange des cultures, voir le choc ou non des civilisations, ainsi qu'à l'extension du sensible. Bon voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Un principe d'enchevêtrement, un principe de déhiérarchisation à leur comble, avec
en ligne de mire, paraît-il, un réenchantement particulier du monde, sans équivalent assurément jusqu'à présent. Bon. Alors, si vous voulez, cette situation particulière ici dont il est fait état, bon, rencontre de frottements qui sont diversement productifs ou violents, hein, ou parfois inexistants, avec l'idée que le tout est dans la partie et que la partie devient le tout. Et ça alerte sur une donnée culturelle devenue centrale. Un seul monde ne suffit pas, ce qui n'était pas la vision des modernes, bien sûr. Hein, pour les modernes, il ne peut y avoir qu'un seul monde, d'où évidemment la tragédie des totalitarismes. Hein, chacun revendiquant d'être et de devoir imposer son propre monde à lui, qui doit être le seul monde. Bon. Alors, si vous voulez, par extension, la création culturelle doit se mettre à l'unisson de cette offre proliférante de réel, de ce monde trouvé, d'une richesse inouïe, et en faire usage par souci de cohérence. Alors, je vais être assez méchant, enfin, on va voir la différence, c'est pas être méchant. Picasso pouvait dire, arrogant et d'une autre époque, « Je ne cherche pas, je trouve ». Vous vous rappelez cette formule, incroyable. Cela dit, bon, chapeau. Mais l'artiste de la génération Y, lui, il dit « Je trouve sans avoir besoin de chercher et j'intègre ». Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bon. Et en fait, pourquoi ? Parce que la création telle que l'envisagent les artistes de la génération Y, toujours, bon, voilà, on en voit encore un petit peu ici, a pour caractéristique sa proposition non plus à l'écart mais à l'intersection, mais au milieu de plusieurs réalités combinées. Et on pourrait dire qu'elle est la génération mentale, la signature mentale d'une génération qui a fréquenté le home et la chambre à coucher plus que la rue, l'écran de l'ordinateur plus que le spectacle du monde vrai, le zapping interculturaliste plus que la pensée unique, sans se départir jamais tout à fait d'un souci certain pour l'autoprotection, le cocooning, et une vie recluse alimentée depuis l'extérieur par les réseaux sociaux numériques. Ça se voit beaucoup dans ces œuvres-là. On voit l'importance de la maison, c'est-à-dire comment l'art revient à l'intérieur. Il y a un moment, au XIXe siècle, avec Courbet, l'art sort, il sort vraiment de l'atelier, y compris il sort d'un imaginaire qui est un imaginaire de l'intérieur mental. Hein, il va vers le monde. Bon, là, on voit comment on revient à la maison. Hein, vous connaissez cette image assez amusante. Années 70, il y a la mère qui est sur le perron, qui appelle son fils ou sa fille, « Bon, tu rentres ?» Et puis, années 2000, la même dit « Bon, tournez vers la maison, bon, tu sors. Hein, » bon, vous voyez la chose. Bon. Alors, c'est un peu l'univers du screen, si vous voulez, qui est un bouclier paradoxal. C'est le bouclier de l'esprit Y, si vous voulez, qui répugne aux poétiques du contact ou de la confrontation directe, sauf peut-être, on va voir ça demain, s'il y a des manifestations violentes, hein, parce qu'on a une journée sociale importante. Voilà, c'est une sorte d'esprit en retrait du réel, derrière l'écran, hein, dans une position screenique, bien évidemment, mise en face d'un monde compliqué où il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup d'humains, c'est qu'on est trop nombreux. Bon, moi, je disparaîtrai bientôt, ça c'est bien, mais il y a beaucoup d'objets. Bon, j'ai essayé de les comptabiliser. Combien est-ce qu'il y a d'objets produits dans le monde ? On n'y arrive pas. Même Google n'est pas parvenu à le calculer. Bon, donc voilà. Alors, il y a beaucoup de postures, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de religions, beaucoup d'anti-religions, beaucoup de besoins d'éthique et d'aspirations violentes, il y a beaucoup de sexualité, plus disparates les unes que les autres. Et en fait, il y a un défi à force de profusion, à ce qu'on appelle la nomenclature. C'est-à-dire que, bon, à partir du moment où vous ne pouvez plus faire de nomenclature, eh bien, c'est difficile de donner du sens à quelque chose. Bon, alors, ce terme de profusion, ben, voilà, on va montrer voilà, Jason Rhodes, ici. Hein, vous voyez ce qu'étaient ces expositions. Donc, la dernière que j'ai vue était dans une biennale de Whitney, je crois, au début des années 2000, hein, pour le célébrer. Il était mort depuis une dizaine d'années, je crois. Il est mort en 96. Donc voilà, Jason Rose dans ses œuvres, hein, voilà ce que ça donne. Mais on a l'impression que c'est financé par les déménageurs bretons. Hein, vous voyez, ils disent oui, continuez comme ça, et puis c'est bon, mettez tout dehors, mettez tout sous le parvis, on va vous virer tout ça, mais on va en faire une œuvre d'art avant. Bon. Alors ce terme de profusion est celui par lequel je conclurai vraiment cette réflexion, encore 20 secondes, en revenant à la maniera de Charlotte Perriand. Alors la synthèse des arts chez Perriand est tout sauf profusionnelle, vous avez bien vu, hein. Donc, elle débouche sur la mise en œuvre d'un ordre plastique. Ça, ce n'est pas Charlotte Perriand, hein, c'est Jason Rhodes. Hein. Non, mais ne vous trompez pas. Hein, bon, ça, c'est peut-être plus un désordre plastique qu'un ordre plastique. Chez Perriand, cette synthèse des arts endigue la possibilité même du désordre. Et il est clair que rapportée à l'art le plus contemporain, celui de la génération Y, elle n'a absolument rien à voir avec celui-ci. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Paul Ardenne. Vu que le temps est avancé, je ne vais pas... j'ai aussi un vol que je risque de rater. Mais j'avoue, c'était extrêmement passionnant. Surtout, c'est vraiment cette formule universitaire, thèse, antithèse et synthèse des arts, on peut dire, comment les utopies mènent finalement aux dystopies. Alors je trouve que c'était vraiment extrêmement riche et très, 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 très attendu par rapport à l'analyse actuelle. Peut-être on va quand même, si je peux me permettre, d'ouvrir à la salle s'il y a quelques questions. Je m'excuse aussi que finalement on a pris un peu plus de temps, mais je crois on voit aussi que c'est un sujet extrêmement complexe, l'ensemble des sujets traités. Et donc je suis heureuse que vous êtes quand même restés jusque-là. S'il vous plaît, merci. Il y a encore une conclusion donc de Sébastien. Il faut encore rester, je vous demande, s'il vous plaît. Et surtout maintenant, la parole est à vous. On vous a épuisé. Oui. C'est le chaos, non ? Aucune... Aucune question, commentaire. C'est très intéressant. Non, c'est tout. Bon, alors je terminerai sur une petite citation de Charlotte Perriand, Food for Thought, pour clôturer cette table ronde, une citation de 1956. Synthèse des arts, elle joue à travers le temps, les continents, harmonie de même origine, mettant l'homme en état d'euphorie. Elle enrichit son regard sur les choses, elle le rend libre. Et avec cela, une bonne soirée. Et donc, on passera directement à la conclusion. Oui, alors moi, je ne vais pas vous accabler, donc je ne vais pas faire cette longue conclusion qui reviendrait sur les tables rondes. Ces tables rondes dont Jean-Louis Cohen nous a précisé qu'elles n'étaient pas rondes, effectivement, elles sont en éventail. Elles ouvrent bien des perspectives, Katia vient de nous le rappeler. Elles nous invitent à penser, mais plus encore à vivre, à nous engager et à faire l'expérience d'une création sensible, on l'a souvent rappelé. Charlotte Perriand a toute sa légitimité ici dans les galeries de la Fondation Louis Vuitton, mais sa place est au cœur de la vie quotidienne. Elle nous invite à sortir du musée, à vivre avec notre époque, ses techniques et ses défis. Et je vous libère avec ce message. Merci à vous, merci d'avoir été là et merci à nos intervenants. Merci infiniment.